Savannah, I'm coming home, Savannah. Un série 4 F32, donc la remplaçante de E92, donc la version coupée de la série 3. Donc on passe série 3 ou la série 4. Donc la version D7, non, la 420T, pack M, 2 litres 184 chevaux, 380 Nm. BM, donc là, ils se battent le 92, donc ils ont changé le style de l'intérieur. Alors, ouais, c'est le même de la série 3 F30. Maintenant, volant sport, le pack M. Donc, le style a bien changé. Là, on a le 92. Maintenant, on a la mallette de contrôle de l'iDrive de là. Pomme sport. Qu'il y en a sur la version M ou tu comptes ça sur la version normale, donc en option. Confortable, qu'il y a un manque, un petit manque de sportivité. Il y a un changement, qu'il y a un chouïa confortable. Non, on a le moteur, 2 litres. Il est économique. La consommation moyenne est 4,7. Moyenne, route et ville. Par rapport à la boîte, c'est une boîte 8 rapports. Donc là, pour réduire la consommation, donc c'est l'une des plus rapides boîtes les Kenny Dabat. Sur le marché, donc, BM, ils ont bien développé BM, ouais, l'un des plus puissants sur le marché. Donc, par rapport aux autres marques, le couple phénoménal, donc, les accélérations, il répond, fait les reprogrammations qui est la mienne, il peut atteindre 220 chevaux, 230. Donc, les sièges sont sportifs, donc, fait au mode. La touche NL, les quatre côtés à dos, pour plus de sportivité, donc même confortable et sportif, j'apprécie. Maintenant, je vais la série 4, bon, la série 4, la série 3, F30, F32, l'habitacle. Voilà, l'habitacle simple, en même temps, zoin, avec chez harmonieux. Maintenant, moi, mettre les inserts carbonados, c'est des options Z home propriétaire, on regarde en fait là. Personnalisation de la voiture, tableau de bord visible, bien. Je vais que tu vois les modes, mode éco. D'abord, on a des modes éco pro. Ok, on fait les modes sport, mode confort, mode sport plus, sport plus. Mais quand tu fais de l'anti-patinage, tu crashes gain. Donc, ça va être zlé quand tu le chies.